C'est forcément de la déduction, hein. Je sais pas comment faire autrement que de la déduction, quoi. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas et qu'on ne peut pas le déduire du coup? Ouais, ok, il l'a pas accepté. Enfin, c'est bon, ça. Au moins, ça a effacé quoi. Ah, d'accord, ok, je peux utiliser ça pour effacer les couleurs qui sont pas admises. Ok. Le cas, donc le noir, ok. Il y a le fameux CL quoi, c'est la seule couleur que je n'ai pas. Je vais jeter un coup d'œil aux indices. Bon, ça pour le moment c'est pour plus tard, ça c'était évident qu'il y avait un truc. Ça ok, ça c'est fait. Ah, c'était ça les couleurs en question. Ok, d'accord. Donc on avait les couleurs, c'est juste que. Oui, alors merci, ça s'ouvre avec des clés, merci. Merci Sherlock. Ce truc-là, là. Il y avait un truc là, mais c'est quoi ça? Faut que ces deux le faut que ces deux lois soient... Ah! Faut que ces deux-là soient petits, c'est ça? J'en sais rien. J'ai pas compris là. Même avec l'indice, j'ai pas compris, c'est pour vous dire. Bon, ok. Putain. Ok, mais je voudrais comprendre pourquoi. C'est ce bleu-là. Le même que le RA. Mais. Ah non, c'est pas le même. Le RA, c'était celui-là. Ok, bon ben. Voilà, hein. Ouais, il est plus clair que le. Oui, c'est du bleu clair, alors que l'autre c'est du bleu turquoise.
Allez, s'il te plaît. Voilà. Ok, et maintenant, le cube noir. Mais bon, on a le cube noir. Du coup... Ok, bon. Ça nous a rien ramené. Ça nous a pas ramené la clé qui manque. Ça, on a tout récupéré. Y avait ça là. Ah oui, d'accord, c'était en secouant la poche que la clé était tombée. Ok, j'avais pas compris, mais d'accord, ok. Parce qu'on l'avait pas vu, parce que je l'avais pas vu. Et moi ça. On n'a pas le dernier. Oui, ben ça, merci, j'avais deviné. Plus rien, hein. Je. Ça me saoule, je pige rien. Je fais ça au pif. Je m'en fous, je fais ça au pif. Jusqu'à ce que ça... Je l'avais. Purée. J'ai fait ça au pif, hein. Franchement... Ah, cet enfer.
Du coup, il manquait ça. Bah voilà, réglé, allez. Et c'est l'oreille. Super, qu'est-ce que je vais faire de l'oreille maintenant? Ben... Non. Allez, bois un coup d'absinthe, ça te fera du bien. Je sais rien, moi. L'oreille. C'est vrai qu'il y avait cette porte-là aussi. Seigneur Dieu. Ok. Le tambour vaut 1, le marteau vaut 3. Donc il me faut déterminer le poids de l'enclume par exemple. On va essayer de déterminer ça, le poids du... Ok, donc ça c'est pas compliqué, ça vaut 1. Le poids du marteau vaut 3. Je dirais que ça vaudrait 4 dans ce cas. C'est ça vaut 4. Donc ce truc-là vaut 4. Donc ça c'est 1, 4. Pardon, 4, 1 ici. Pardon, excusez-moi. C'est 1, 4. 1. C'est bon, on te fatigue pas. Non? Bon, c'est pas ça. Donc c'est 14. Faudrait déterminer le prix et le prix, n'importe quoi, le poids de ça. Ce truc-là. Attendez, ça, on a dit que c'était 4. Donc ça vaut 5. Donc ça fait 1, 4, 5. Un, quatre, cinq et huit. Allez, fin du chapitre.
Y a pas de balles. Pas cliquer sur l'oreille parce que sinon on va se retaper encore tout le trajet. Là je coince. Même avec les indices, je coince. Et ça m'avait rien rapporté, ça juste ma favorite. Ah si si si, il y avait eu un, il y avait un morceau de, dans le sucre il y avait un morceau de photo, enfin de tableau. C'était ça que ça avait apporté. Là je, j'avoue je. Puis le cuir d'absinthe je peux pas le récupérer. Ici. Bon, on va essayer autre chose. Super. Ah, bordel.
Ok, d'accord. L'autre porte, elle s'ouvrait. C'est juste que j'avais mal cliqué dessus. Cet enfer. Tout ça pour ça. Bon, allez. Chapitre suivant. On est à combien là? On est à... Ok, d'accord. On est déjà à 2 heures de tournage. Là-bas, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. On est en week-end. Donc, au moment où je tourne. Hop, chapitre suivant. Harvey's Box. Où cela me mène-t-il? 1969. Donc un adhésif, une cuillère. Ok. Alors, attendez, juste j'ai vu. Voilà. Du coup, on va... Allez, on va jouer un peu au domino. Ouais, un peu. Allez, on va essayer 6-1. Ensuite, on va essayer 1-4, pourquoi pas. Est-ce que j'ai... J'ai un 4-6 là. J'ai un 6-2. J'ai un 2-4. Par exemple, on peut partir sur ce principe. Ensuite, j'ai un double 4. J'ai un 4-5. J'ai un 5-3. Un 3-2. Et je vais être coincé. Donc ça va être ça. Donc ça commence par le 6-2. Du coup, ici, c'est un 2-4. Je peux faire ça comme ça. Ce qui fait qu'ici, je peux avoir un 4-1. Un 4-5. Celui-là, non, si, celui-là. Alors, celui-là peut être bon, mais il peut être remplacé. C'est ça, il peut être remplacé par ça et par ça. Hop, du coup, là. Donc, ça, c'est pas possible. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse plutôt ça? Est-ce que j'ai un 5? J'ai pas de 5 vertical. Donc ça va pas être ça. Par contre, j'ai un 4-1 là. Alors, je peux faire ça. Qui me permettrait d'avoir ici un 1-5 par exemple. Hop, je fais ça comme ça. Et ici... Bah non, je peux pas. Ici, je suis obligé d'être comme ça. De toute façon, c'est soit ça, soit ça. Pour ici. Mais en vrai, c'est obligé... ça peut être comme ça, hein. Ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. Ici, c'est obligatoire. Si, ici, c'est bien 6-2 et pas 6-1. Parce que j'ai toujours la possibilité de mon 6-1, là, de commencer par 6-1. Tac, tac, tac. Du coup, je peux faire ça. Je peux faire un 5-3.
Et si je peux faire un 3-5? Donc ça peut pas aller. Du coup, ça, c'est obligatoirement ça. Je peux faire un 4-1. Ici, j'ai bien un 3-1 qui pourrait rentrer ici, mais ça le fait pas. Et il me faudrait un double 3 là, mais j'ai pas de double 3. Du coup, qu'est-ce que je peux inverser pour que ça rentre? Celui-là, est-ce que je peux le remplacer par le 2-4 là? Ouais, je peux remplacer ça. Ce qui fait que je peux faire ça. Du coup, lui, faut que j'en le remplace par un 3 à gauche. Un 3 à droite. Du coup, c'est ça. Donc ça, le 6-1, je vais le mettre de côté, faut que je mette un 5. Donc j'ai le choix entre le 3-1, le... Ouais, allez, je peux mettre ça. Ça marche. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Ici, du coup, ça rentre pas. Ici, je peux mettre mon double 4. Non, ici, je suis obligé d'avoir un... Ici, je suis obligé d'avoir ça. Du coup, je suis obligé d'avoir ça. Là, il me faudra un double 2, mais c'est pas possible. Du coup, si je repars sur l'idée du 6-1. Ok, d'accord. Là, j'ai juste cliqué pour voir un petit peu. Il y a un indice. Mais bon. Bon, attendez, je regarde juste. Ok, donc ça commence par le 6-2. Juste ça, je voulais juste voir ça. Donc c'est le 6-2. Rekoff quitte, ça va durer trop longtemps. On va juste regarder les premiers. Et bordel, j'étais bon. Ok. Donc ça, c'est de toute façon. On peut pas aller autrement, c'est forcément comme ça. Du coup, on va enlever les restes, on va essayer de se débrouiller. Bon, on prend l'indice, hein, mais en même temps. Alors, ici, il me faut un 4-1. 4 en haut, 1 en bas. Ça, c'est forcément ça. En termes de 4 à gauche, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Donc, ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Je vais le mettre au-dessus et en dessous. Toc, 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 toc. Le 5 qui est ici, c'est forcément celui-là. Du coup, j'ai forcément le 3 ici. Du coup, ici, c'est forcément 4-6. Parce qu'ici, je mets mon 1-6. Ici, j'ai mon 1-4. Double 4 ici. Ah, voyons un petit peu. Donc, on a un corbeau, un ver et un poisson qui fume. Est-ce qu'on peut dire que c'est un poisson fumé? Rusty Lake, Mental Health and Fishing.
ce que je voulais le peigne. Ah, d'accord, ok. Oh, voilà. Je suis une bille en musique. Et en plus avec les lettres, enfin les notations américaines. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai fait un peu de solfège au collège, la flûte à bec, hein, on connaît tous. Mais d'accord. Super. Bordel, frérot! Il est où mon téléphone? Juste, attendez, je vérifie un truc, mais. Ok, d'accord, il y a un truc. Ah. Ok, d'accord. Ok. Full sortie, mi-sortie. Oh, épingle à nourrice. Ok, d'accord. Donc ça, c'est full sortie. Full sortie. Non, c'est l'inverse. Ça, c'est full sortie et ça, c'est moitié sortie. Et cet endroit, je dois sortir d'ici. Back to the box. Ok, d'accord. Oui, du coup, je voulais. Trop. Ah, attendez, je vais juste prendre en photo le. Ah, le solfège là, le. Quelqu'un? Oh, d'accord, ok. Donc, je vais prendre en photo ce truc-là. Ah, attendez. Ah ben. Ah ben, je vais recevoir de la visite. C'est pas grave. Je verrai après. Hop. Alors attendez, je prends juste en photo. Hop, la partition. Allez, affiche-moi l'image, s'il te plaît. Ok. Donc ça, c'est ok. Alors, par contre, j'ai aucune idée de des dièses, tout ça. On va dire c'est. Non, donc c'est pas ça. Hop. Encore plus bas, donc c'est un B. Ok, c'est un B. Ensuite, c'est un B aussi. Ensuite, ça a l'air d'être un C. Non. C'est un D. Ok. D. Ensuite, on revient sur des B. Ensuite, on a un
Donc résultat, je comprends que c'est un G dièse. C'est cela. C'est cela. C'est un G dièse, puis un A. Ok. Puis un B. Non. Si. Si, c'est ça. C'est un B, puis un C. Non. C'est pas un C, c'est un D. Puis de nouveau un B. Puis un A. C'est ça. Ensuite, c'est un G dièse. Et un A. Oh, la clé de sol qui devient une clé. LOL. Mais lol quoi. La blague quoi. Mort de rire. C'est ouf. Allez, on va fumer un bon gros cigare. On va découper quelque chose. Et on a un indice. Hop, et merci pour la photo. N'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Trois insectes ailés et trois vers. Jamais trois en ligne. Ok. Donc ça, par exemple, c'est valide. Ça, c'est pas valide. Donc jamais trois à la suite et on peut. Oui, ok, d'accord. On peut faire ça. On peut. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Du coup, tiens. Non, tu. Qu'est-ce qui. C'était quoi l'indice déjà avec le corbeau là? Salut. C'est ça, c'était ça. Ok. Ah. Ok. Donc comme ça. Avec le cigare. Non. Ok. Et donc là. Donc ça correspond. Par contre, j'ai pas pu. Ah bah oui, mais il faut que je crache. Faut que je scratch l'allumette. Je suis bête. Voilà. Parce que si je scratch pas l'allumette, ça risque pas de marcher. Ok. Bon, on verra bien. Ok. Ok. Du coup, on peut faire larve, mouche. Ici, on peut mettre larve. Ici, on peut mettre mouche, par exemple. Ici, on peut mettre larve. Ici, on peut mettre larve. Ici, on est obligé de mettre une mouche. Ok.
Ici, en soi, on peut mettre une mouche. Ici, on peut mettre une larve. Ici, on est obligé de mettre une mouche. Ici, on est obligé de mettre une larve. Ici, une larve aussi. Ici, peu importe. Ici, on peut mettre une mouche. Ça, c'est valide. Ah, c'est parce que... Ok, excusez-moi. Ok, donc ça, c'est obligé d'être une larve et ça, c'est obligé d'être une mouche. Et donc, du coup, ça, c'est obligé d'être une larve. Ça peut être une mouche. J'ai une mouche de trop. Ça peut être une larve, mais du coup, ça devient une mouche. Du coup... Ok. Est-ce que... Je peux pas... Ok. Ok, j'ai compris le casse-tête. C'est une sorte de sudoku. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de sudoku, mais je suis plutôt bon à ce genre de truc. Je veux juste leur mettre à zéro. Ok. Donc là, j'ai une larve à papillon et il faut que j'ai à chaque fois trois larves et trois mouches dans le truc. Là, j'ai une mouche. Allez, on peut mettre. Donc là, je suis obligé de mettre une larve. Dans l'idée. Ici, c'est obligé d'être une mouche. Ici, ça peut être l'un ou l'autre. Toc, toc, toc. Donc là, j'ai deux mouches de larves. Ici, c'est obligé d'être une larve. Ici, c'est obligé d'être une petite mouche. Ok, donc cette ligne-là, je pense que c'est bon. Cette ligne-là, on la fera à la fin. Ici, j'ai déjà trois mouches. Il me faut deux larves. Ici, ça peut pas être de larve, donc c'est forcément une mouche. Ici, c'est forcément une larve. Ici, c'est une larve. Et ici, c'est forcément une mouche. Sauf que ça va pas. Parce que je me retrouve avec 4 mouches. En fait, sur cette ligne-là, c'est obligé d'être une larve. Du coup, ici, c'est obligé d'être une mouche. Du coup, ici, c'est obligé d'être une mouche. Et ici, obligé d'être une larve. Donc, ici, c'est une mouche. Ici, ça sont obligés d'être des larves. Ici, il manque une mouche. Ici, j'ai mes larves, donc ici, c'est une mouche. Et ici, c'est une mouche. Vu que là, ce sont des mouches, ici, c'est obligé d'être une larve aussi. Ici aussi. Et ici, donc, c'est une mouche. Non, c'est une larve. Du coup, vu que là, j'ai deux larves, ici, c'est obligé d'être une mouche. Ici, c'est obligé d'être une mouche. Ici, c'est obligé d'être une larve, et vu que j'ai une larve ici, et ça, c'est obligé d'être une mouche. Ici, c'est obligé d'être une larve. Ici, il manque une larve. Ici, il manque une larve aussi. Ici, c'est une mouche. Et ici, c'est une larve. Facile. Facile ce sudoku.
Oh non, ouais. Oh. Et la musique, ça va 2 minutes là. Ça ici, je vois pas ce que ça m'a donné, ça. Ça ici, c'est bon. Je vais prendre un indice ici. Ah putain de merde, d'enculé de ta race. Ok. Croche. Double croche, croche. Ok, donc j'ai une plume. Ok. Cet enfer. Qu'est-ce que tu veux que je foute de cette plume? Quoi? Il y a un truc là. Les packs de la nourrice là, je peux en faire quoi? J'avais autre chose là, c'était quoi ça? Oui, ça c'était les règles du. Pour le Sudoku insectoïde, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Ça normalement c'est fait aussi. Du coup, cet indice là, je vais le mettre ici. Je vais faire ça. Marie-Joseph. Ah.
Wow! Putain, il est flippant, hein! Ok. Youhou. Alors attendez, j'envoie un message rapidement. Ok, l'affaire 23. Je sais pas quand est-ce que. Parce que j'ai un ami qui est censé passer, du coup je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Alors, la scène de crime. De toute ma carrière de détective, je n'avais jamais vu une scène aussi étrange. Dès que j'eus franchi le pas de la porte, je compris que cette affaire ne s'arrêterait pas à un simple cadavre. Automne 1971, scène du crime. Ouais. Rien dans la main, dans l'autre main, non. J'aime beaucoup ce papier peint, la Shining. Pop, hop, évidemment, hein. Je dois d'abord rassembler toutes les preuves, ok. Ok. Oh, des mots croisés. Saisir? Non. Je peux rien saisir, mais ok. Faut que je regarde le plafond. Ouais, ok. Ça tombe bien, il y a le scarabée au plafond. Voilà, examinez cette pièce. Tiens, j'ai oublié un truc là. Le cactus. C'est étrange. C'est. Ok.
Oh, oui, on va s'amuser. On va s'amuser. En vrai? En vrai, ça m'a même pas l'air si dur.